Oh ben non, attendez. Bonjour. Alors là, on a déjà fait presque un marathon. Hein. Merci. Tour de France à Copenhague. Merci, monsieur. Voilà, exactement, c'était au Palais des Congrès. Et moi, je suis allé, disons, à la présentation sur les Champs-Élysées. Ce sont les sacs de 2020. Hein. Ah non, l'année n'est pas marquée. Bon, alors... comment je fais? Je remporte celui de 2019. Après 2020, tu sais. 2021. Merci. J'étais au chaud tout à l'heure. Alors là, c'est l'assistance allemande. Voilà. Bernard, nous accueillons les germanophones. Ah, c'est très bien ça. Bon, mais donc, vous les guidez. Tout à fait. Eh bien, c'est super. Petite question. Vous les suivez pas? Vous avez un dossard, non, mais... Non, on ne court pas. On ne fait que renseigner. Eh bien, c'est quand même super. Bravo. Merci à vous. Merci. Alors, c'est donc... ce sont des personnes qui s'occupent de faire rire les enfants dans les hôpitaux. Ben bravo. Et voilà. On the two sides of the world, you find this. Alors donc, vous êtes ici sur le stand Schneider Electric, exactement. L'organisateur du marathon. Organisateur du marathon, absolument. Alors, donc, que pouvez-vous me dire? Alors, en fait, pour ma part, je suis bénévole actuellement sur le stand de la fondation Schneider Electric. Oui. Donc, la fondation Schneider Electric qui mène des actions de bénévolat partout dans le monde, dans tous les pays où Schneider est présent. Avec notamment donc, nos partenaires qui sont Play International et le Solar Sound System qui sont donc présents actuellement sur le Run Experience du Marathon de Paris. Je travaille spécifiquement dans l'équipe de la Fondation pour favoriser l'engagement des collaborateurs dans des actions de volontariat, de mécénat de compétences, d'engagement en général. Et je vous laisse découvrir nos partenaires Play International et Solar Sound System présents aujourd'hui sur le stand. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon marathon. Merci, merci. Je suis pas très à l'aise avec tout ça. Talent exceptionnel. Alors ici, c'est... Jean-Jacques, salut. Je m'appelle Jean-Jacques. Oui. Je suis volontaire, enfin bénévole. Bénévole. Dans l'organisation donc, du Marathon de Paris. Oui. C'est la première fois que je fais le bénévolat
sur une course comme le marathon. Ouais. Ça fait vraiment chaud une sensation, c'est génial. Ouais. J'ai fait d'autres activités sportives, bien oui, sûr. Bien sûr. Mais les coureurs sont et les coureuses sont magnifiques. Ouais. Et ça vaut la peine de partager une nouvelle expérience. Eh bien, c'est super. Merci, Fabrice. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Au revoir. Oui, pardon. Donc là, on vend des t-shirts pour la marque ASICS. Oui. Donc ce sont des t-shirts techniques, mais plutôt souvenirs. Oui. Ici, vous avez tous les modèles femmes, du S jusqu'au extra large. Et de même que vous avez les modèles hommes. Si vous voulez les pour les chaussures, vous ne pouvez pas les acheter sur place, mais vous pouvez les essayer grâce à une piste oui. qui se situe juste là-bas. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Et le finisher, le t-shirt finisher sera de couleur grise et verte, oui. qui sera donné à la fin de la course. Très bien. Alors, le merci. Ici, c'est le stand de Tiger. Baume du Tigre. Baume. Ah, le baume du Tigre. Donc vous ça. Avez Baumi. Ah, il est là. Il est occupé. Il est occupé, d'accord. Baumi, il faut tourner la tête deux petites secondes parce qu'on voilà. a voilà. Pour être dans la boîte. Très bien. C'est le vrai, hein, c'est pas la copie. Attention, c'est l'original. C'est l'original. Eh bien, c'est super. C'est usage interne. Ne l'ingurgitez pas, ça va pas être bon. D'accord. Eh bien, c'est très bien. Donc, c'est pour les tensions, enfin les. Tout à fait. Vous avez le baume rouge qui est avant l'effort. Oui. Qui va chauffer le muscle avant de partir. Oui. Qui existe soit en baume, soit en huile sèche. Oui. Le blanc qui va faire du froid, détendre le muscle après l'effort. Très bon oui. aussi pour les voies respiratoires et les migraines. La neck and shoulder qui est très très bonne pour détendre toute la partie cervicale. Et le patch qui fait du froid pendant 8 heures. Eh bien, c'est super. Avec tout ça, Vous êtes c'est à la... 9. C'est le truc de Jouvence quoi. Exactement. Voilà. Rouge avant, blanc après, vous n'aurez mal nulle part. Eh bien, c'est super. Merci madame. Je vous en prie. Là, je suis vraiment surpris, monsieur Moff. Papito Production, première. Merci, merci beaucoup. Allez, merci Papito. Notre banane, ce sera vraiment la banane du sportif. La banane qui vous donne envie de gagner. Allez, 3h30, 4h, c'est bien déjà d'arriver. Ambassadeur de la banane française va nous voir. Qu'est-ce qu'il va nous préparer ? Dis-nous tout. À 4h, je veux bien moi faire 4h avec toi. Alors moi ici, je suis sur le stand de la banane française de Martinique de Guadeloupe. Ah, je vais prendre
sourire. Là, je dois avoir la forme. Alors ici, c'est Cibex et je rencontre Adrien qui va m'expliquer bonjour. Un petit peu. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on a une marque de puériculture spécialisée dans les sièges auto et les poussettes. Et depuis maintenant 6 mois, on a lancé une gamme de produits sport dédiés à la fois à la pratique du running, du vélo également, du ski de fond et tout ça en famille. Et donc pour cela, on a le produit Xeno, dont les caractéristiques principales déjà, pour la pratique du running, ça va être de pouvoir retrouver ici déjà un frein à main pour avoir toujours plus de sécurité. Ici, une sangle d'attache. On va également retrouver un système de suspension adapté puisque tout l'enjeu sur ce type de produit-là, c'est de garantir un maximum de stabilité et de confort pour l'enfant. Et donc, on va retrouver cette stabilité ici grâce à ces suspensions. D'accord. On est sur des pneus qui sont gonflés à air, 20 pouces à l'arrière, 16 pouces à l'avant. Mais on est sur seulement 3 roues contrairement à une poussette normale. Tout ça pour garantir plus de stabilité et d'adhérence et de confort pour l'enfant. Ils sont incroyables les pneus ? Incroyables monsieur. Incroyables, d'accord. Incroyables. Ensuite, ce produit-là, on va pouvoir le décliner sur un autre type de pratique assez original qui est ce qu'on appelle le pool running. Je cours et je tire. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir conserver du mieux possible une foulée naturelle en ayant les bras libres. Et l'autre avantage, bien entendu, c'est que l'enfant peut vous voir en même temps que vous courez. D'accord. Derrière ce produit-là, là on ne l'a pas exposé, mais on peut également le transformer en remorque de vélo avec un autre kit. Et on va également pouvoir le transformer en kit de ski de fond, en remorque de ski de fond. Voilà en gros sur nos produits. C'est bien. Donc c'est un produit qui est vraiment adaptable un petit peu à toutes les situations. Quoi. À plusieurs sports, à plusieurs saisons. Ouais. Et dans cette continuité-là, on va continuer sur les saisons futures à lancer d'autres typologies de produits en rapport avec le sport pour développer la pratique du sport en famille. Il est super bon de faire du sport en famille, que ce soit pour partager notre passion du sport, que ce soit pour faire découvrir la nature à notre enfant, que ce soit pour laisser du temps libre à l'autre parent, pour qu'il puisse aussi un peu se reposer ou vaquer à d'autres occupations. Et voilà pourquoi il est important, selon nous, de pouvoir continuer à pratiquer une activité sportive, même en étant parent, et du coup d'en profiter pour partager du bon temps plutôt que d'être devant des dessins animés ou quoi. Autant être dehors, de profiter et tout ça en famille. Entièrement d'accord avec vous, monsieur. Ancien sportif. Vous allez pouvoir refaire des bébés, du coup. Merci, très bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ici, je suis au stand de la RATP avec la nouvelle ligne 42. Ah non, c'est 42 km. Schneider Electric Marathon de Paris 2021. Et j'ai la joie de vous informer que ici, je viens d'avoir mon 1000e abonné. Merci beaucoup, la RATP. Et bien de rien. Merci. Alors, pour être plus sérieux. Vous voulez que je vous explique un peu ? Un petit peu, La ligne 42, en fait, ça permet aux personnes qui accompagnent les coureurs de les suivre tout au long de la course. Oui. Donc, par exemple, au 9e kilomètre, il est possible de retrouver le coureur que vous suivez au 9e kilomètre en prenant la ligne de métro. D'accord. Et ça, tout le long de la du course parcours. Jusqu'au 42e kilomètre. Alors, est-ce que je peux avoir justement un parcours ? Oui, bien sûr. Les parcours sont là-bas. Je peux aussi vous le montrer directement sur le site de la RATP, puisque c'est disponible sur le site de la RATP directement. Oui, mais sinon, papier. On ne l'a pas en papier. Vous n'avez pas papier, d'accord. C'est seulement en ligne. Ah, d'accord, d'accord. Je vais vous montrer. De toute façon, il y a juste besoin de mettre ligne 42 km RATP et vous pouvez le trouver sur Internet. D'accord. Donc, c'est assez simple. Je vous le montre comme ça. Vous allez mieux comprendre.
montre pour l'exemple du... Voilà, sur un smartphone, donc... Voilà. Il y a juste à aller sur ligne 42 km RATP. Oui. Et après, vous avez tous les parcours types qui partent de 3h, donc c'est Mila 3h, oui, jusqu'à 4h30. D'accord. Pour chaque sas, en fait, les oui, coureurs, ils ne courent pas tous le marathon en même temps. En même temps, oui, donc c'est pour ça. Et là, par exemple, pour le parcours de 3 heures, oui, vous pouvez retrouver le coureur à 9 stations différentes. D'accord. Donc, par exemple, au 9e kilomètre, là, ici, oui, vous pouvez retrouver à Rouilly d'Hydro le coureur. D'accord. Et donc, vous avez le temps que vous oui, allez mettre en métro et en dessous, le temps que lui le coureur met, va mettre. D'accord. En fonction de sa moyenne qu'il va mettre sur la course. Eh bien, c'est super. Hein. Et c'est comme ça tout du long. Jusqu'au 42e kilomètre. Voilà. D'accord, eh bien, c'est quand même disons une application ouais, c'est, bien c'est, chadée là. Ouais, c'est plutôt bien et pour tous les accompagnateurs, souvent c'est un vrai oui, problème de pouvoir retrouver. Oui, parce que moi. Merci, au revoir. Au revoir.